bon, faudrait peut-être que je lui dise à Adixia que je vis là-dedans, moi. Allô, Adixia? Je peux passer te voir? Ouais, demain, si tu veux. Ok. Je sais que Théo n'est pas mort. C'est vrai que Théo et moi, on a couché ensemble. Et c'est vrai que j'aimerais bien recommencer. Sauf s'il a retrouvé Adi. Salut, Julien. Sébastien? Regarde maman, on dirait qu'il neige. Hein? Quoi? Mais non Fanny, c'est de la grêle. Ah, mais regarde, ça s'arrête. Hein? Quoi? Il neige? Vraiment? Ah, mais non, c'était de la grêle. Mais ça s'est arrêté, regardez. Ah ouais. Ça va, il pleut plus maintenant. Non, il grêlait et il pleuvait. Maintenant, il fait plus rien. Le soleil se lève maintenant. Ah! Oui, trop bien. Oui, mais ce serait trop bien s'il neige, non? C'est vrai que ça serait bien, mais ça m'étonnerait qu'il neige. Enfin, pour cette année. Oui, puis il reste 3 jours. Alors au pire, oui, c'est vrai qu'il reste 3 jours. Bon, je vous laisse les enfants. À tout à l'heure, maman. Ouais, moi aussi, je te laisse. Salut. Moi, j'ai vraiment cru qu'il neigeait, sinon je serais pas venue. Bon, ben, je me retrouve toute seule. Bon. Il est où mon ordi? C'est pas vrai, il est encore en bas. Il est jamais là, cet ordi. Oh là. Non, mais attends. Comment ça, tu t'appelles Sylvain? Comment ça, t'as 20 ans? Non, mais... Oui, ce que tu vois là, c'est du maquillage. Pour me faire plus vieux. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, Sébastien? Enfin, Sylvain, je sais même plus comment je dois t'appeler. Appelle-moi Sylvain. Pourquoi t'as fait ça, Sylvain? J'avais pas le choix. Sinon, Moriti me tuait. Quoi? Mais Moriti, il est mort, c'est du passé. Maintenant, on l'a tué. C'est fini. Je sais, mais il m'a dit que si je me maquillais pas pour me faire plus vieux, que si je l'obéissais pas, il me tuait. Quoi? Mais pourquoi tu m'en as parlé? Je t'ai pas parlé, je t'aurais aidé, moi. C'était mon meilleur ami, Sylvain. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je t'aurais aidé, moi. Je suis flic, on est flic. J'aurais pu t'aider, moi. Je sais, je suis désolée. Mais non, Julien est vraiment venu à ton bureau te supplier de le remercier parce qu'il t'a... parce que tu l'as aidé à détruire Moriti et Shinichi. Bah oui. Mais non. Bah si. Mais non, mais il est fou ce Julien. Je t'avais déjà raconté qu'il était venu à mon bureau. Oui, tu m'avais raconté. Et c'est là qu'il t'a supplié. Enfin, il m'a pas vraiment supplié. En fait, il m'a demandé de le... que je... Il m'a demandé... Merci. Il m'a dit... Je t'en supplie, laisse-moi te dire merci. Enfin, voilà, quoi. Ah, d'accord. Il voulait te remercier, il t'a supplié pour qu'il puisse te remercier, c'est ça? Entre autres, oui.
Mais non. Et si. Mais non, mais c'est fou ça. Bon, en revanche, il fait pas beau dehors. Non, ça c'est sûr, mais bon. Tu sais qu'apparemment, ils annoncent de la neige. Ah bon? Mais non. Si, quand ça? Demain. Quoi? Non, la semaine prochaine. Quand ça? La semaine prochaine. Ah cool! Les enfants vont bien s'amuser alors. Ben oui. Bon, Max n'est pas là. J'en profite un peu pour avoir un peu la chambre parce qu'il est chiant. Bref. Putain, j'ai entendu les parents, c'est incroyable. Julien est allé remercier mon père à son bureau. Bref, on s'en fout de ça, ça ne me regarde pas, cette histoire d'adulte. Bref. Bon. Moi, je me suis réconciliée avec Fanny. Tout va bien. Noël s'est passé, tout va bien. J'adore mes cadeaux, tout va bien. Bon, en espérant que Max n'arrive pas. Donc, Max n'est pas là, donc j'en profite un peu pour avoir la chambre parce qu'il est chiant. Bon, donc en espérant que Max n'arrive pas parce qu'il est chiant. Alice, j'arrive! Salut Alice! Je crois que j'ai parlé trop vite. Parler trop vite, pourquoi? Ah, Max, coucou. C'est quoi ce grand sourire là? Pourquoi tu souris comme ça? Je crois que j'ai parlé trop vite. Parler trop vite, pourquoi? Ben, j'ai dit en espérant que Max n'arrive pas parce qu'il est chiant, et t'es arrivé. Quoi, moi je suis chiant? Mais t'es chiant, Max. T'es très chiant, Max. Bah, va te faire foutre. Mais vas-y, toi le premier, wesh. C'est vrai que t'es un petit peu chiant, reconnais-le. Oui, peut-être, mais c'est aussi ma chambre. Oui, peut-être, mais tu l'as tout le temps. Ouais, bon. Puisque tu veux voir la chambre, princesse, je te laisse. Bye, princesse. Il est fou, ce Max. Théo, tu voulais me voir, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, déjà, merci, Adixia. Hein? Hein? Merci de quoi? Je comprends pas, là, Théo. Bah, déjà. Merci de m'avoir accepté chez toi, hein? Non mais Théo, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es le père de mes enfants? Comment tu veux que je t'accepte pas chez moi? Oui, enfin, que d'un, hein, pas les deux, hein, je te signale. Oui, peut-être, mais t'es le père d'un de mes enfants. Donc, même des deux, parce que t'as adopté. Hein, t'en as adopté, hein? Mais, bah déjà. Merci de quoi? Bah déjà, merci parce que, bah d'avoir accepté que je vienne, quoi. Mais tu te fous de moi? Tu viens quand tu veux. Ok, en fait, il faut que je te parle, Tipsa. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je vis dans un camping-car. Quoi? Enfin, mais Théo, mais c'est ridicule, voyons. Mais Théo, tu vis bien où tu veux, je m'en fous. Je sais, mais je voulais te le dire, quoi. Écoute, Théo, si tu veux, je trouve une meilleure solution. Si t'es mal dans ton camping-car, tu viens habiter chez moi, vivre chez moi. Mais tu rigoles ou quoi? T'as pas de place, t'as trois chambres. T'as que trois chambres, je dormirai quand même. Après, ça me dérangerait pas de dormir sur le canapé, mais je veux pas venir chez toi, moi. Enfin, mais tu te fous de la gueule ou quoi? Mais enfin, tu rigoles ou quoi? Théo, tu dormirais pas sur le canapé, tu dormirais dans mon lit avec moi. On se remettrait ensemble. Alexia, t'es sérieuse là? Oui, Théo. C'est gentil, mais je suis très bien dans mon camping-car. Je voulais juste le dire pour pas que tu penses que je t'ai menti, quoi. Ok, bah merci de me l'avoir dit, Théo. De rien, Dixia, c'est normal.
Bon, je t'offre un café. Non, merci, c'est gentil. Écoute, Adixia, j'ai autre chose à te dire. Quoi ? Quoi ? Mais moi aussi, je t'aime. Alors, comme ça, on s'aime tous les deux. Donc, tout va bien. Mais évidemment que tout va bien, Midi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là, Midi? Je comprends pas. Il ne m'arrive rien. C'est juste que je t'aime et puis j'ai envie de te le dire, parce que je te le dis jamais apparemment, donc... Comment ça apparemment? Non, ça c'est sûr, tu me le dis jamais. Mais je sais très bien que tu m'aimes, Midi, voyons. Bon, moi j'y vais, j'ai boulot, donc je te dis à ce soir, mon amour. À ce soir, mon amour. Ok. Ok, j'y vais. Salut mon amour. Fais attention, il fait très froid. T'inquiète pas pour ça, va. Ah là là, il est vraiment fou de moi ce Midi. Mais, qu'est-ce que je l'aime. Oui, mais ne t'inquiète pas Julien. J'ai déjà vu tout le monde. Comment ça, t'as déjà vu tout le monde? Et ne t'inquiète pas, Julien, je pars bientôt. Comment ça, tu pars bientôt? Écoute, bah oui, je repars bientôt dans le sud, c'est là que j'habite maintenant. Quoi? Eh oui. Mais enfin, mais t'as vu qui, tout le monde? Bah, j'ai vu Adixia, Adrien, Livia. Quoi? Eh oui. Mais ne t'inquiète pas, Julien, je pars bientôt. C'est le dernier que je viens voir. Je suis désolée, je fais aussi vite que j'ai pu. Salut Julien. Salut Alex. Salut Sylvain. Coucou Alex. Ça va? Oui. Enfin, qu'est-ce que tu fais là, Alex? Écoute, Julien m'a appelé, t'as bien vu. Quand il était au téléphone devant toi. Oui, ah, mais c'est toi qui l'appelais. Oui. Parce qu'il voulait que je te voie. Quoi? Comment ça? Mais pourquoi? Parce que Julien et moi, on est les meilleurs amis du monde. Et du coup, bah, il me dit tout. Et comme j'ai enquêté sur toi, bah, faut que je te voie pour que tu nous expliques ce qui t'est arrivé. J'ai expliqué à Julien. Écoute, Sébastien, si t'as des choses à faire, va. Moi, je vais expliquer à Alex. Merci Julien. Allez, à bientôt. À bientôt, salut. Salut. Allez, va. Merci. Attends, mais c'est quoi le bordel? Il a déjà revu tout le monde. Comment ça, tout le monde? Bah écoute, il a revu Adixia. Ouais. Il a revu Livia, il a revu Sandra, et il a revu Adrien. Ah d'accord, donc en fait, je suis le dernier qui vient voir, quoi. Non, normalement, c'était moi le dernier, mais là, c'est toi. Bon, en fait, c'est nous les derniers qui viennent voir. Ok. Bon, écoute, je te laisse, je te dérange pas plus longtemps, j'ai un truc à faire. À plus. Ouais, salut. Attends Alex, attends Julien.
Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, merci de m'avoir appelé pour revoir Sébastien. De rien, c'est normal, Alex. T'es mon ami, t'es mon meilleur pote. Allez, bisous. Ouais, salut. Putain, ça caille, on est mieux chez soi. Je sens que je vais pas aller voir ma sœur aujourd'hui, moi. Elle est bien sur lui. Faudrait peut-être que je pense à me trouver un mec, moi. Parce que quand même... Ça fait que je suis célibataire depuis que je suis plus avec Nico. Donc ça va faire au moins 5 ans. Même plus. Donc j'en ai marre d'être célibataire. Putain, faut pas que je reste là, je vais m'endormir moi. Allez, go! Je vais faire mes courses, j'ai plus rien dans le frigo. Pouh, bah putain, ça caille hein, dehors, hein, j'irai pas deux fois. Oui, puis en plus, t'es en robe, alors tu devais avoir encore plus froid. Tu m'étonnes. Putain, j'ai juste été à la boîte aux lettres. Bah putain, ça caille, hein. Je suis gênée. Allez, va mettre une veste. Enfin, tu veux que t'en cherches une? Non, ça va, merci. C'est gentil. Alors, il y a quoi comme courrier? Bah rien, tu vois bien que j'ai rien dans les mains. Donc, ça, qui a rien. Débarrasser des factures. Youhou! Lol. Ah, non, je plaisante. MDR. Bon, bah, je vais faire un peu de ménage, ça va me réchauffer. Si tu ouvres les fenêtres, ça va peut-être pas te réchauffer. Non mais t'inquiète pas, je vais pas ouvrir les fenêtres, hein, je suis pas débile, merci. Quoi? Non mais je vais pas les ouvrir les fenêtres, ça caille trop, t'inquiète pas, hein, merci. Hein. Ça m'a suffi d'une fois. Hein. Bon. Je manque que la neige arrive, que les enfants ils aillent, ils seront contents. Ouais. Bon, allez, ménage, tu m'aides? Avec plaisir, ma chérie. Moi. Ça va, Max? Ouais. Tu fais la tête? Ouais, quand t'arrêteras de dire des bêtises sur moi et dire que je suis chiant, tu viendras me... Oh, ça va, Max. Est-ce que tu peux être niais, toi, parfois? Mais tu dis que je suis chiant. En même temps, c'est normal que je fais la gueule si tu dis que je suis chiant. Oh, ça va, Max. Oui, t'es bien sûr que t'es chiant, mais t'es mon frère, je t'aime. C'est vrai, ça. Pouh, et bah putain, je suis sortie juste en course, et bah putain, ça caille dehors, hein, je sortirai pas deux fois. Oh. Allô? Oui, Chloé? Tu veux que je passe? Tu veux pas venir, toi, ça caille trop dehors. Ah ben non, si je te demande de passer... Ah ben non, si tu me demandes de passer, oui, c'est ce que tu dis. Mais ça caille dehors, écoute. Mais toi, t'as une voiture, t'as le permis, Chloé. Tu peux passer. T'arrives? Ok, bon bah, t'arrives alors, j'attends. En attendant, je regardais par la fenêtre, mais sans l'ouvrir. Hein, parce que... Ça caille. C'est quoi ça? Putain, non. Écoute, tu crois pas que ce serait mieux qu'on lui dise à Fanny? De quoi? Bah que
Cœur. Bah, qu'elle a été adoptée. Voilà. Comment ça, j'ai été adoptée? J'ai tout entendu. Comment ça, j'ai été adoptée? Mais répondez-moi, bordel! Écoute, Fanny. Tu as été adoptée parce que... Je suis pas ton vrai père. Voilà. Quoi? Tu as été adoptée? C'est quoi cette blague? C'est pas une blague, Fanny. Pour moi, Adixia, je l'ai trahi. J'ai couché avec Théo. Et je trouve que ça se fait pas par rapport à une amie. Donc j'ai...